Bonjour messieurs et dames, bienvenue à ces magazines que vous avez le droit, si pas l'occasion, de suivre tous les jours à partir de 11h en débutant un tout petit peu en retard à cause de tout ce que vous connaissez sur Tchassa. Comme tous les jeudis, nous analysons l'actualité sans langue de bois, sans passion, parce que au-delà de nos appartenances et divergences politiques ou politiciennes, ce qui nous réunit, c'est la République. C'est jeudi. Nous sommes là avec ces analystes que vous avez l'habitude de voir ailleurs et sur ces plateaux, bien évidemment, pour parler de la République. Vous savez, nous sommes à quelques mois des élections, à pratiquement 5 ou 6 mois. Il y a une tension qui monte d'un cran, les déclarations se multiplient, l'opposition continue à menacer. C'est tout ce qu'on peut vous dire pour le moment. Et encore, après Martin Fayoulou, il y a un autre candidat qui vient de se retirer, c'est Corneille Nangaa. On va en parler dans ce journal. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a encore participé à un sommet important. Tout ça dans la recherche de la paix dans la partie est de la République. Encore une fois de plus, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ces magazines, Le Duel. Freddy Mwamba, cadre de la FDC, analyste politique. J'ai le plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue. Merci Morgane et merci de l'invitation. J'en profite pour saluer tous les téléspectateurs mordus de cette émission, les duels. Et j'espère qu'ils vont se reconnaître dans les réflexions que nous allons développer sur ces plateaux, sur des sujets, sur différents sujets en rapport avec la bonne marche de la République. De la République. Voilà, donc c'est cela. J'en profite aussi pour, n'est-ce pas, remercier le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné les souffles des vies. Ah oui. Oui, d'autant plus qu'il a dit dans sa parole, précisément dans Proverbe 1, 3, 25, que tu n'auras aucune crainte devant une catastrophe soudaine ou l'attaque des malfaiteurs, car Yahvé sera de ton côté et ton pied ne sera pas pris dans le piège. Merci voilà, beaucoup Freddy Mwambala. Je découvre encore une autre casquette de vous. Donc au-delà c'est de votre casquette cela. Des journalistes donc, que j'ai connu. Donc nous tenons toujours à remercier notre Dieu parce voilà. que vous voyez notre vie ne tient qu'à sa Merci à sa mansuétude. Voilà, Merci. Donc c'est cela. Merci, vous serez face à Maître Ramazani, Rodrigue Ramazani, qui est un cadre de l'envol de Délis Essanga, l'un des quatre leaders de l'opposition. Maître Rodrigue, bonjour. Bonjour Norbert, heureux d'être là. Merci aux co-débatteurs avec qui nous allons échanger. Je salue le Congolais qui nous suivent à cet instant, dans l'espoir que cet échange sera patriotique et aidera plutôt nos compatriotes à cerner les enjeux du pays et savoir dans cette période électorale où et pourquoi donneront-ils leur suffrage aux différents candidats, à tous les niveaux bien sûr. Merci beaucoup, nous allons faire un peu marche en arrière. Comme vous avez la parole, je vous prie de la garder. Martin Fayoulou a organisé un meeting qui était censé être celui de quatre leaders de l'opposition, mais on l'a vu pratiquement seul. Et on se demande si cela n'est pas dû au fait qu'il s'était prononcé non partant. Est-ce qu'il y a déjà un désamour entre les quatre leaders? Parce que, qui explique un peu cette absence, ceux de Lubumbashi, on peut comprendre, mais vous qui êtes à Kinshasa, on ne vous a pas vu dans ces meetings. Déjà, l'approche que vous prenez connote une forme de désinformation. Non, ce n'est pas le président Martin Fayoulou qui a organisé ces meetings. C'est un meeting organisé par quatre leaders de l'opposition qui a pour des raisons devenir seul et c'est lui pour plutôt des raisons. Seul. C'est une question qui m'est posée. Mais et si vous pouvez me permettre d'y répondre, qui pour des raisons d'agenda diverses n'ont pas pu être là, mais qui ont été représentés par les secrétaires généraux de leur parti. Ce n'est pas nouveau. Il y a eu plusieurs rencontres, plusieurs activités organisées où il y avait un leader qui n'y était pas et l'autre n'était pas là. Vous savez, ce dont on est habitué maintenant à la République dans le souci de restreindre l'espace politique,
ne facilite pas en fait l'exercice de droit politique des opposants. Plusieurs reports à cause des raisons non fondées par l'hôtel de ville n'a pas permis que l'agenda de certains leaders soit tenu. Vous vous souviendrez qu'il n'y a pas longtemps, le président Fayulu n'était pas à Kinshasa, il est aux États-Unis dans une activité, il était représenté par le secrétaire général Devos Kitoko. Mm-hmm. Le président Matata Ponyo, par exemple, avant même le meeting, il était déjà obligé de partir parce qu'il avait sa tournée engagée à Bunia. Le président Moïse Katumbi, pareil, il avait son agenda et le président Sessang, à la date du 25, ne lui permettait pas parce qu'il avait un autre rendez-vous calé ailleurs. Et au nom de ses responsabilités, il ne pouvait pas n'est pas aller à ces rendez-vous-là. Donc, dire qu'il y a des amours, c'est aussi une mauvaise information qu'il faut donner à la population. C'est une question qu'on se pose parce qu'on a vu. Et puis, même dans la mobilisation, on n'a pas senti qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas fonctionné. Non, la mobilisation dépend de quel œil vous regardez la mobilisation. La population était là, la mobilisation a tenu. Vous nous avez habitués à voir quand même ces terrains de Sainte-Thérèse être remplis de foule. Vous n'allez pas me dire qu'il fallait vraiment du temps pour que ça se remplisse. Vous pensez que le terrain n'était pas rempli? Mais il y a des images, je ne sais pas si on peut retrouver les images du meeting. J'espère que ce sont les images de votre chaîne de télé qui était là sur place. Mmh. Si ce sont les images de quelqu'un qui vient à 12h, il prend les images, il fait un montage, il les sort, et que vous, un média sérieux, vous décidez de relayer pareille information, je suis inquiet. Je connais les images dont vous faites allusion. Ce sont nos images. Je connais les images dont vous faites allusion. Non, ce n'est pas les images de CSTV. Je peux même vous dire qui l'a fait et où est-ce que c'est monté. Alors, j'aimerais que vous restiez vraiment professionnel. Lorsque vous parlez images, parlez-moi de l'image prise par vos caméramans. Lorsque vous parlez des images montées ailleurs, c'est là qu'on note un peu de facilité et de manque de sérieux. Donc, vous êtes un média respectable. Moi, je vous dis... Mais vous reconnaissez quand même, c'est vrai qu'il y a eu un peu d'exagération dans certaines images qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Bien sûr, mais aussi ce qu'on nous a rapporté. Non, je vous en prie. Je suis en train de finir. Les images que nous avons montrent quand même que cette mobilisation ne répond pas à cette image qu'on vous a donnée, aux attentes qu'on avait de ces quatre leaders de l'opposition. Vous êtes quand même une force, il faut le reconnaître. J'insiste encore une fois de plus, tout dépend de quel bord vous vous trouvez, de quel bord vous voulez regarder la mobilisation. Mm-hmm. La mobilisation était effective, le président Martin Fayulu était là, les partis politiques ont mobilisé et il y avait du monde. Okay. Maintenant, si vous vous fiez à les images qui sortent ça et là, alors je vous pose monter une dans les laboratoires, dans les laboratoires des partis politiques, tant qu'un média, ce n'est pas responsable de pouvoir relayer pareille information. Une deuxième question. Je n'ai même pas fini la réponse, vous m'avez coupé. C'est pourquoi je vous ai dit de me laisser répondre à vos questions. M'aviez répondu à une première question, j'ai répondu. La deuxième question était de dire qu'il y avait des accords entre les quatre leaders. Voilà. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre à cette question? Finissez alors. Avant de poser la troisième question. Donc, pour répondre à la deuxième, il n'y a pas des accords entre les quatre leaders. Il n'y a pas des accords. Le président Martin Fayulu, je pense qu'il était clair dans ce propos qui a été mal compris au niveau de Sainte-Thérèse. Il a dit qu'il ne boycottait pas les processus. Dire qu'il va présenter des candidats à tous les niveaux et boycotter, quelle est la différence que vous donnez à ces propos? Attendez, le président Martin Fayulu vous donnera la différence. Mais moi, je suis sur vos propos pour vous dire qu'il n'y a pas des amours. S'il y avait des amours entre nous, l'envol ne serait pas venu à cette activité. Okay. Et ce n'est pas fini. Je crois que les leaders seront encore en discussion avec la CENI. Vous allez le voir. Donc, il n'y a aucun problème. Sauf que la position du président Martin Fayulu est une position que nous respectons, les positions de son parti. Mais c'est aussi dans la droite ligne de la lutte pour obtenir un processus électoral crédible. Pourquoi vous faites une analyse basique pour dire qu'il y a des amours? Non. Il met de la pression. Je vous ai dit qu'on nous reste dans le questionnement. Je pensais venir faire un débat contre la majorité. Je vous pose des questions. Je ne fais pas un débat de la majorité. Je peux faire un débat avec vous. On peut continuer. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, je vous ajoute juste des questions. Moi, ça ne me gêne pas. Donc, la position du président Fayulu est une position
qui vient ajouter la pression de l'opposition pour obtenir un processus électoral crédible. Notre position aussi à déposer nos candidatures et à continuer à exiger le processus électoral crédible, un fichier électoral crédible, c'est dans la même ligne. Pourquoi vous, en tant que média, vous prenez une position pour dire, en tout cas c'est une position de la majorité. Maître, je rappelle encore une fois que c'est une position. Pourquoi vous dites qu'il y a des amours entre leaders? Voulez-vous qu'il y ait des amours entre leaders? Je dis qu'il n'y en a pas. Les leaders sont en bonne odeur, ils se comprennent très bien et très bientôt, vous le savez d'ailleurs, expressément vous avez refusé de les relayer, que la CENI sera en discussion avec les quatre leaders. Nous allons en parler. C'est vous qui m'avez... Nous allons en parler, donc vous étiez informé. C'est vous qui m'avez précédé. Alors, Freddy Mwamba, vous avez suivi Maître Rodrigue. Bon, c'est vrai qu'on ne parle pas du meeting, mais le processus électoral devient de plus en plus... La tenue donc des élections devient de plus en plus incertaine, dans la mesure où, s'il faut tenir compte, d'ailleurs, il l'a déjà annoncé, cette rencontre prévue avec les opposants, l'opposition, parce que la CENI tient à ce que les élections soient inclusives. Si on s'en tient à toutes les revendications, tout porte à croire qu'on n'aura plus les élections le 20 décembre. Comment est-ce que vous voyez déjà le processus électoral dans quelques mois qui nous restent ici? Qu'est-ce qui vous pousse à dire que la tenue des élections devient... Non, mais parce que déjà, les revendications de l'opposition vont pousser à un recommencement, disons, il faut réformer la CENI, il faut faire ceci. Et si on s'en tient à ça, et aussi les craintes évoquées par le président de la CENI, la sécurité d'une part et les moyens, mais on ne va pas se cacher la face. Bon, moi je pense que tu as même dans ta question donné une partie de la réponse, dans la mesure où, bien entendu, ça va certainement retarder le processus électoral, alors que nous sommes en train de courir après les temps. Les délais constitutionnels doivent être tenus. Forcément, parce qu'il faut dire que au niveau de l'Union sacrée, nous sommes des véritables légalistes. Alors nous tenons à ce que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Je pense que même les débats qu'il y avait autrefois en rapport avec la convocation du corps électoral n'a plus lieu. Avant, on disait il faut 3 mois convoquer le corps électoral 3 mois avant. Mais vous avez vu que la CENI est véritablement respectueuse, n'est-ce pas, du calendrier qui a été présenté. Et c'est pour vous dire qu'il y a véritablement cette volonté de pouvoir aller aux élections coûte que coûte et de respecter. Et nous sommes en train d'inviter tous les parties prenantes d'être en lice de telle sorte qu'ils puissent participer à cette exaltante bataille électorale. Mais à laquelle on invite tout le monde, on n'exclut personne. Et je pense que c'est peut-être une différence, je peux considérer tout ce qu'il y a comme revendication, comme une simple altérité d'approche. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème qui pourra être véritablement rédhibitoire à l'organisation de cette élection, dans la mesure où tout le monde est prêt. Il a dit qu'il est prêt à pouvoir aller aux élections, même s'il n'a pas reconnu ici sur ces plateaux qu'il y a une friction adale, profonde, viscérale au niveau de l'opposition. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Oui, je suis en train de le dire. Et le cas le plus, la preuve la plus probante, ce sont les déclarations qui ont été faites il y a peu par Seth Kikuni, qui est passé sur une chaîne de la place et qui a expliqué, qui a mis à nu, n'est-ce pas, les schismes qu'il y a au niveau des, de l'opposition. De cette dynamique écoute ce qui se passe au niveau de... Lui, il a parlé déjà des agendas du temps et chacun. Non, d'abord, il ne s'agit pas des agendas diverses qui ont fait en sorte que les autres ne soient pas là. Ce sont les agendas cachés, justement, parce que l'opposition est divisée. Et parmi les questions qui divisent l'opposition, il y a entre autres le fait que ils ont constaté tous que Matata Ponyo est en train de mener un combat en solo. Pour lui, il commence à considérer le fait d'être, je ne sais pas moi, candidat président de la République comme étant un statut, tout un statut. Ils considèrent cela comme étant tout un statut, alors que eux se disent, si nous nous sommes en train de réclamer qu'il y ait véritablement la transparence pour que nous puissions aller aux élections, c'est pour que les peuples se reconnaissent. Ce n'est pas pour des raisons narcissiques, permettez-moi parce que vous avez, c'est pas moi, des ennuis judiciaires. Vous voulez maintenant dire que vous devez à tout prix aller aux élections. Permettez-moi. C'est-à-dire lorsque Maître Rodrigue Ramazani, qui est de l'opposition,
vous dit avec assurance qu'il n'y a pas des amours, il n'y a pas des accords. C'est tout simplement une question d'agenda. Et vous, ici, vous affirmez sur base de quoi vous tirez cette conviction de dire qu'il y a... Mais c'est eux-mêmes qui nous ont dit ça. Moi, j'ai suivi... Est-ce que Seth Kikuni fait partie... Moi, j'ai suivi un partisan. J'ai suivi un partisan de Martin Fayoulou. Mais il avait dit qu'il était du bloc de Martin Fayoulou. Il a dit extrêmement clairement. Et tout le monde a suivi. Il a dit qu'ils avaient un problème. D'abord, ils avaient demandé à ce que les gens ne s'amènent pas en drapeau là-bas, que chacun s'amène avec les drapeaux, les drapeaux nationaux, les drapeaux de la RDC. Mm-hmm. Mais les gens se sont amenés là-bas avec les drapeaux de leur parti politique. Voyez-vous? Donc, ça fait partie des questions qui les ont divisés. Et aussi, ils se sont dit, parce que nous constatons que certains de nos partenaires sont erratiques, parfois ils sont au pouvoir, tantôt ils sont dans l'opposition. Là, ils étaient en train de faire allusion justement à Délice Sanga et Moïse Katumbi, qui étaient avec nous au niveau de l'Union Sacrée et qui viennent de rejoindre, il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, l'opposition. Et ils se sont dit, mais nous disons qu'avant, n'est-ce pas, d'aller à ces élections, il faut qu'il y ait véritablement un audit crédible qui soit fait, un audit externe avec des personnes qui soient véritablement crédibles pour que nous puissions participer. Mmh. Mais nous constatons qu'eux insistent pour seulement aller aux élections malgré la manière dont les choses sont en train de se passer. Donc, et donc, vous comprenez déjà qu'il y a une divergence à ce niveau. Il y a un problème au niveau de l'opposition. Merci. Donc, ils n'arrivent pas à être sur un même tempo politique. Merci Freddy Mwamba. Rodrigue Ramazani. Freddy Mwamba vient de révéler ici certains malaises que vous n'avez pas voulu évoquer dans votre propos. Et surtout lorsqu'on dit que vous venez d'être dans l'Union Sacrée il n'y a pas longtemps et qu'on voit en 2018, Délice Sanga, qui soutenait Martin Fayoulou, qui était donc membre de la Mouka, avait battu campagne pour Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pensez vraiment que les restes de membres de l'opposition vont vous prendre au sérieux? Vous aimez tellement revenir sur des histoires tellement vieilles que le monde. Non mais c'est quand même, ça nous permet de nous situer. Les élections de 2018 sont derrière nous. L'envol avait pris sa position parce que les combats de l'époque, c'était les combats de l'alternance. Et nous avions estimé que celui qui pouvait amener le pays vers l'alternance, c'était Félix Tshisekedi et nous l'avions soutenu. Aujourd'hui, nous avons eu cette alternance parce que ceux qui connaissent l'histoire politique du pays allant des années 2015 à 2018 savent que le combat était l'alternance politique au sommet de l'État et pas de troisième mandat à Kabila. Et cette option a été levée et ces élections sont derrière nous. Maintenant, nous parlons du processus électoral de 2023. Donc le débat vieille comme le monde, je ne suis vraiment pas prêt à m'exercer là-dessus. Non, je vous en prie. Alors répondez à ce que dit Freddy. Je réponds maintenant à ce que disait mon co-débatteur, M. Freddy, voilà. Qui dit les revendications de l'opposition fera en sorte que le processus soit retardé. Non, pourquoi le processus serait retardé? D'abord, je tiens à rappeler que les revendications de l'opposition ne sortent pas de la cuisse de Jupiter. C'est depuis 2021 que l'opposition a commencé à réclamer notamment la composition de la CENI par les membres. Je parle de 2021, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle de 2021. Donc aujourd'hui, vous avez évolué. Je reviens. Depuis 2021, nous disons, l'opposition dit que ceux qui sont à la CENI ne sont pas ses représentants. Parce qu'il faut savoir que la CENI est formée sous forme d'une trilogie. Ces trilogies composent d'une part, vous avez les pouvoirs. De l'autre, vous avez la majorité. De l'autre part, vous avez la société civile et l'opposition. Dans cette trilogie électorale, fait en sorte que nous trois soyons des parties prenantes au processus. Lorsque nous qui sommes parties prenantes au processus, nous disons que ces composantes, les personnes déléguées, envoyées, ne sont pas de l'émanation de la population, je crois que la moindre des choses, pour ceux qui veulent un processus électoral crédible, ils écoutent les revendications de l'autre partie prenante et abdiquent. Donc, il y a eu des notes écrites par l'AMUKA et le PPRD qui ont dit clairement que ceux qui sont là ne sont pas pour son compte. C'était même avant l'investiture de la CENI. Pourtant, le PPRD, on a vu, vous n'êtes pas du représentant du PPRD. Je ne suis pas le représentant du PPRD, mais moi je reste sur le fait. Il y a eu un communiqué qui désavouait, je crois, Didi Manara. L'AMUKA a désavoué l'autre, disant que ce n'est pas leur composante. Aujourd'hui, tout ce que l'opposition demande, c'est d'avoir ses membres dans la CENI. Retirez Manara, investissez nos membres. Mais c'est là où je pose la question. Non, cela ne prendra pas, même pas 2 mois.
C'est une note en fait. Hein. Peut-être que le Mais est-ce que ça ne va pas impacter dans la mesure où on sera obligé de stopper le processus? Je dis ceci, nous venons. Tout est question de volonté politique. Nous venons de la session de mars. L'opposition a la même revendication. Les quatre leaders ont écrit au mois d'avril en réclamant que la partie opposition, la partie prenante opposition soit prise en compte. Tout ce qu'il fallait, c'est de demander à ceux qui ont le pouvoir d'envoyer les noms, d'écrire et que cela soit entériné à l'Assemblée. Est-ce que pour que cela soit entériné à l'Assemblée, il faut 6 mois? C'est une question en fait de volonté politique avec vraiment par une réflexion basique. Et nous disons encore que la Cour constitutionnelle est composée de manière irrégulière. Est-ce que pour changer la Cour constitutionnelle, régulariser la composition de la Cour constitutionnelle, il faut une année? Non, mais cette question de la Cour constitutionnelle est tellement sensible. J'en arrive. Il ne faut pas une année. Il faut donner. Il faut juste une volonté politique. Est-ce que l'opposition a des magistrats? Donc, je vais répondre d'abord à la question avant de répondre à la deuxième question. Donc, je vais répondre à Maître. Je lui dis que les revendications de l'opposition ne peuvent pas impacter sur le délai constitutionnel. Parce que l'opposition insiste même sur la tenue des élections dans le délai. Notre souci, c'est d'avoir des bonnes élections et de ne pas retomber dans de compromis à l'africaine et la nomination de députés, chose que nous avons vécue dans les élections passées. Notre combat, c'est de respecter le peuple, la volonté du peuple. Le peuple a été scandalisé lors des élections de 2018. Sommes-nous prêts à rééditer les mêmes exploits? Je crois que Félix Tshisekedi, après avoir gagné les élections dans des conditions que nous connaissons tous, nous avions suivi son débat avec Macron, on a tous compris qu'il y avait eu compromis à l'africaine, il veut en faire une jurisprudence. Et quand vous les soutenez, il n'y avait pas de compromis. Il veut en faire une jurisprudence pour que chaque année, au regard aussi de son bilan chaotique, chaque année, Félix Tshisekedi se prépare à tricher aux élections, à passer par compromis à l'africaine. Chose que l'opposition combat aujourd'hui. Nous voyons un processus électoral crédible. Et puis, deuxième chose, il y a des accords parce que les militants sont venus avec les drapeaux de leur parti politique. Mais c'est vraiment... excusez, il y a des moments, il y a des choses, il y a des faits auxquels ça n'appelle même pas analyse. Mais est-ce qu'il était prévu qu'on s'amène au drapeau de la République ou de parti politique? Un militant de l'ECID, pour ne pas parler de ma chapelle, un militant de l'ECID, un militant de LGD qui sort de sa maison à Tchangui, prend les drapeaux, il met sur ses épaules, il amène les insignes de son parti. Bon, on va lui dire non, n'amène pas. Je ne sais pas dans quelle logique. Est-ce que c'était dans vos ententes? Est-ce que c'était prévu que ça se passe comme ça? Je dis ceci. Il dit n'importe quoi. Tirer une conclusion de désaccord entre les quatre leaders, c'est moi pour le fait que les militants, quelques militants ont amené des drapeaux de leur parti, ça ne tient pas la route, s'il vous plaît. Il y a des analyses à un certain niveau qu'on ne peut pas faire. Nous parlons de quatre leaders. Moi, je suis le porte-parole de l'envol, proche collaborateur de l'honorable Sessanga. Je suis sur ces plateaux. Je parle à leur nom et à leur qualité. Je vous dis qu'il n'y a pas d'accord entre leaders. Et même la position de Martin Fayulu va dans la ligne droite pour mettre la pression afin d'avoir un processus électoral crédible. Et j'ajoute, nous déposons nos listes, mais nous continuons le combat pour obtenir un fichier électoral crédible. À quel moment nous vous avions dit que non, nous n'allons plus faire le combat de la crédibilité du processus, nous continuons le processus. À un moment donné, il y a des choses qui ne nécessitent pas qu'il y ait une personne qui tient la craie, qui se met devant un tableau noir, qui donne des explications. Non, ce sont des choses tellement basiques qu'on a tous compris sans pour autant avoir beaucoup d'explications. Mais voilà la question avant que vous puissiez continuer. Vous avez parlé ici des revendications, vous avez cité la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que ceci ne contredit pas la logique selon laquelle la justice doit être indépendante? Est-ce que l'opposition, voilà, la question c'est de savoir, est-ce que l'opposition a ses magistrats, à elle, qu'elle doit mandater à la Cour constitutionnelle pour garantir sa victoire? C'est là où on ne comprend pas. Si vous pouvez nous dire si vous avez des magistrats réputés de l'opposition qui peuvent aller vous garantir votre victoire. Attention. Nous parlons de l'irrégularité de la composition de la Cour et non un problème sur la nomination d'un magistrat.
j'insiste, nous parlons de l'irrégularité de la composition de la Cour lors des renouvellements de chaque composante de la Cour constitutionnelle. Il ne faudrait pas faire du méli-mélo. L'opposition ne dit pas qu'il a des magistrats qui l'aiment et des magistrats qui ne l'aiment pas. La manière dont on a renouvelé les mandats à la Cour fait en sorte que nous avons une Cour constitutionnelle aujourd'hui qui est constituée de manière irrégulière. Et en droit, la sanction réservée à un acte irrégulier, c'est sa nullité. Cet acte est qualifié de nul et de nul effet, non avenu. Donc, il ne faudrait pas mélanger les genres. L'opposition ne dit pas que j'aime les magistrats que j'aime. Donc, vous voulez qu'on recommence la procédure On veut régulariser. Non. On veut la régularisation de cette situation. Attention. Lorsqu'on vous parle de processus électoral, il faut avoir à l'esprit que le processus électoral a trois piliers. Le premier pilier du processus, c'est la gouvernance électorale. Qui est la CENI, qui est la cheville ouvrière de la conduite de notre processus électoral? La CENI, nous vous disons que cette CENI est mal composée. Parce qu'il n'y a pas de membres de l'opposition dedans. Tout ça, ce sont des gens de l'Union sacrée. Ce n'est pas fini, on vous dit, le deuxième pilier. C'est la justice électorale, chapeautée par la Cour constitutionnelle. Vous avez déjà une Cour constitutionnelle où en 2018, il vous a validé, invalidé, contrevalidé, disqualifié, révalidé les candidats. Il est même revenu sur ses propres décisions. Vous avez une Cour constitutionnelle saisie pour une autre question, il rend un autre arrêt. On vous dit que cette justice-là ne met pas en confiance. Parce que dans la matière électorale, il y a ce qu'on appelle les liens de confiance électorale. Les techniciens le savent de quoi nous parlons. Lorsque vous brisez la confiance électorale, vous brisez les processus électoraux dans sa crédibilité. Le combat, ce n'est pas d'envoyer les Congolais aller mettre des papiers dans les urnes. Le combat aujourd'hui, c'est de faire respecter la volonté des Congolais à tous les niveaux du processus. Le quatrième pilier, c'est le pilier légal. Nous avons décrié les lois électorales. Nous disons, ok, on peut évoluer dans nos revendications. Nous avons des revendications à faire respecter la gouvernance électorale et la justice électorale. Mais est-ce que ça se fera le même? Je ne vous voyais pas que vous êtes entré d'occasionner encore le glissement. Sur cette question, cher Norbert, je crois l'avoir Morgane. Sur cette question, je crois avoir répondu. Je vous ai dit qu'il s'agit d'une question de volonté politique. En moins de 2 semaines, on peut tout régulariser et continuer les processus. Les processus ne peuvent pas s'arrêter parce qu'on a amélioré les processus. Nous disons ici, nous n'avons pas besoin de dialoguer avec Félix Tshisekedi. Personne ne peut dialoguer avec un pouvoir. Je parle ici, je suis en vol. Ouais. Je suis les Personne n'a évoqué aussi cette question de dialogue. Non, il y a des gens qui parlent déjà de dialogue. Bah c'est ça, ce sont les débats des couloirs. Moi, je viens d'un débat avec un haut animateur, comment on les appelle, communicateur de l'Union sacrée, qui affirme des dialogues. Personne, je tiens à fixer les points ici pour que l'opinion le sache. Personne n'est prêt à dialoguer avec Félix Tshisekedi parce qu'il n'a aucun bilan. Alors, tout ce que nous voulons, c'est aller aux élections face à son bilan chaotique, encore qu'il a échoué aux élections de 2018. Face à son bilan chaotique, c'est au peuple de le sanctionner aux urnes. Et les élections doivent se tenir dans le délai. L'envol avait pris acte du calendrier électoral. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est les élections dans les délais. Freddy Mwamba, maître Rodrigue Ramazani, estime que leurs revendications, c'est des petites questions qui peuvent être réglées dans moins de 2 semaines. C'est-à-dire la régularisation du processus de remplacement des magistrats à la Cour constitutionnelle, mais également leurs représentants à la CENI pour un peu plus de confiance. Mais vous pensez que si on s'en tient à cette procédure, ça va nous ramener encore à un glissement que vous, visiblement, vous ne voulez pas. Alors, vous êtes d'accord avec lui ou vous pensez que cela est impossible dans la mesure où on ne peut pas le faire en 2 semaines? Moi, je pense que finalement, on commence à discuter sur les sexes des anges. Hein, sur les sexes des anges. Comment ça? C'est lève la poule. Finalement, il n'y aura pas des solutions qui vont sortir de tous ces débats que nous faisons, de tous ces échanges, de toutes ces discussions. Non, mais on veut apporter la lumière. C'est comme si nous sommes en train, finalement, de tourner en rond. On ne peut pas continuer à, comment je peux dire, à ronronner. Hein, répéter le même chose alors que nous savons la suite, comment elle sera. Ce que nous demandons à toutes les parties prenantes,
c'est de participer aux élections. Parce que tous ces subterfuges ne vont pas permettre à ce que nous puissions avoir les élections dans les délais. Comment vont-ils s'ils se sont déjà préparés et qu'ils sont d'attaque, qu'ils participent aux élections, qu'ils arrêtent avec des tergiversations inexpédiantes. C'est ce que nous disons, c'est ce que je demande à mon cher ami qui est avec moi sur ce plateau. Il a parlé ici des compromis à l'africaine. Macron a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un compromis à l'africaine. Mais Macron n'avait même pas dit ça dans ses échanges avec, avec le président de la République. Le ministre. Comment Macron avait dit? Qu'est-ce que Macron a dit? Macron a considéré que comme c'était une question qui venait d'une journaliste française, que les journalistes françaises étaient libres. Comme pour faire une sorte d'analogie avec les journalistes congolais qui, à l'entendement de Macron, ne sont pas libres. Et ne peuvent pas poser une question à rapport avec la tenue des élections, où on a critiqué vertement les résultats qui sont sortis des urnes pour dire qu'il y a eu un compromis à l'africaine. C'est là que le président a, n'est-ce pas, apporté un correctif qui était de taille. Il a dit à Macron, non, il ne s'agit pas de la journaliste parce qu'elle a posé la question maintenant, mais il s'agit... Bien entendu, effectivement, d'un officiel français. Yves Le Drian, qui est un officiel qui était ton ministre des Affaires étrangères. Voilà. Mais en quoi est-ce que, je pense, en quoi est-ce qu'un un politique avisé comme mon ami qui est avec moi sur ces plateaux va considérer ce que Macron a dit comme étant une parole d'évangile? Alors que ce n'est même pas Macron qui avait dit ça. C'était son ministre qui avait fait une telle déclaration. Ben, Macron, ce qu'il était en train de faire lors de ses échanges, c'était de défendre la journaliste qui avait posé la question. Donc, il voulait en fait détourner même l'attention de l'opinion. C'est là que le président a dit non, il ne s'agit pas de la journaliste parce qu'elle a posé la question. Alors, il s'agit de Yves Le Drian. Voilà, vous comprenez? Voilà une et question. Donc, quoi qu'on dise, ce que Yves Le Drian peut dire n'est pas une parole d'évangile. Alors, Corneille Nangaa, ce n'est pas une parole d'évangile. Voilà une question pour vous, Freddy Mwamba. N'est-ce pas, nous appesantir sur ça et considérer que parce qu'eux ont dit, voilà, c'est que c'est oui et amen. Alors, permettez. Vous comportez un peu comme des bénis oui-oui pour accepter tout ce qu'eux ont dit non. Permettez. Moi, je pense que nous sommes assez lucides Corneille pour comprendre ce qui se passe en rapport avec les élections, surtout par rapport à un autre pays. Un autre c'est candidat. C'est comme ça que j'en appelle à un sursaut de lucidité. Voilà, permettez. Mon frère, j'en appelle à un sursaut de lucidité. Freddy Mwamba, s'il vous plaît. Les élections corrèlent avec la souveraineté d'un État. Merci. Ce sont les élections. Alors, Corneille Nangaa, lui qui a aussi... Ce ne sont pas des assertions faites par des étrangers qui vont faire en sorte que nos élections soient crédibles ou pas. On a compris. Alors, permettez. Corneille Nangaa, qui est un acteur important, parce qu'il faut le reconnaître, bien qu'il vient à peine de faire son entrée en politique, mais il a un parcours qu'on ne sait pas négliger pour avoir organisé ces élections qui ont permis l'alternance démocratique, qui est la première d'ailleurs de notre histoire. Il vient aussi un discrédit sur ces processus. Il pense que ça ne rassure personne. Et lui aussi prend position pour dire qu'il ne va pas se présenter, il ne déposera aucune candidature à ces élections. On sait vraiment que tout cela ne mérite pas d'être écouté. Moi, je pense que ça, c'est d'abord une déclaration qui relève du prosaïsme. C'est vraiment ridicule parce qu'il a un devoir, il est tenu au devoir de réserve. Mais il est devenu politique. Mais en tant que politique, d'ailleurs, c'est une raison. De plus, pour qu'on considère que tout ce qu'il est en train de raconter, c'est du n'importe quoi. C'est le grand n'importe quoi. C'est le grand n'importe quoi, tout simplement, parce qu'il est devenu politique. Maintenant, il veut que les gens puissent, n'est-ce pas, le prendre au sérieux. C'est pourquoi il s'est dit, non, en tout cas, je ne sais pas dire n'importe quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, moi, je n'accorde pas beaucoup d'importance aux déclarations qui ont été faites dans ce sens-là, si ça l'a été effectivement, parce que moi je l'ai suivi sur Télé 50. Après, il a essayé un peu de clarifier. Non, ça là, c'était position. Avant. Il a clarifié sa déclaration posture. Sur. Je ne sais pas s'il a changé. C'est toujours la même personne qui a retourné sa veste ou pas. Si c'est la même personne qui a retourné sa veste, comment moi je peux encore le prendre au sérieux? Finalement, qu'est-ce qu'il veut?
Il veut une chose en même temps que son contraire. Il pense lui aussi comme les autres que le processus électoral est entaché de beaucoup d'irrégularité. Je vais revenir sur mon frère. Il n'y a que vous dans votre prédictible boule de cristal qui voyez que la volonté du peuple ne sera pas respectée dans les urnes. On n'en est pas encore là. Comment vous pouvez vous permettre de jouer le Cassandre déjà à ce stade? Vous me parlez de quelle confiance? Parce que chaque fois qu'il y a un processus électoral, il y a toujours un problème de méfiance entre les parties prenantes. Ça se passe même dans des pays à démocratie multiséculaire, comme les États-Unis, où vous voyez Trump qui a fait, qui a fait montre d'une certaine méfiance indéniable, qu'on ne peut même pas dénier parce que lui-même l'a dit. Il a estimé que les choses ne se sont pas passées comme ça devait l'être. Et même jusqu'à présent, il continue à considérer que les élections ne se passent pas bien aux États-Unis. Lorsque vous le suivez, lorsque vous l'entendez. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Voilà. Il a semblé ici minimiser les propos de Seth Kikuni pour dire que non, c'est basique ou quoi. Si c'était basique, moi je ne savais même pas que Seth Kikuni était du bloc de Martin Fayoulou, parce que moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans une manifestation où ils étaient ensemble, ils faisaient un teaching au niveau, un teaching au niveau du ça boulevard. Dépend de ce que vous voulez dire par ces... Voilà, c'est en anglais teaching, ou bien sitting en français. Je vous en prie. En fait, c'est de l'anglicisme, les deux. En fait, ils se sont retrouvés au niveau du boulevard. C'est alors que j'ai vu même celui qui est avec moi en face était présent et les Seth Kikuni étaient là. Seth Kikuni est passé pour dire quoi? Il a dit qu'il était du bloc de Martin Fayoulou pour, n'est-ce pas, relever ce que lui il est en train de minimiser ici. Il a dit devant... Bon, ça ne vient pas de nous. Ce sont eux-mêmes qui nous disent ce qui se passe entre eux. Voilà, ça... C'est eux-mêmes qui nous dévoilent ce qui se passe. Ça relève de la cuisine interne, mais parlons du processus électoral. Ce n'est pas la cuisine interne. Parce que quand ils passent avec sur la place publique... C'est une question qui peut... Quand ils amènent les débats sur la place publique, ce n'est plus une cuisine interne. C'est une question qui peut être réglée. Ça devient maintenant une cuisine externe. Alors, Maître Rodrigue, ici, Freddy Mwamba pense que c'est un peu une fuite en avance, dans la mesure où on n'est même pas encore aux élections. Et il a pris l'exemple des États-Unis, qui est une vieille démocratie, et que les choses ne se sont jamais passées correctement, parce qu'on sait que toute œuvre humaine peut être toujours entachée d'irrégularité. Alors, vouloir aujourd'hui que ça soit fait très parfaitement, vous ne trouvez pas que vous êtes en train ici d'occasionner le glissement que vous ne voulez pas aussi? Bon, je vais revenir sur un point. Il dit Macron n'a pas dit ça. Bon, moi, j'ai dit simplement que nous avons suivi les débats sur les compromis à la fin. Oui, si, ça c'est du passé. On peut évoluer, et puis, je vais finir par dire que Macron a affirmé devant le président de la République, qui lui avait rappelé qu'ils étaient ensemble en Namibie, qu'ils ont discuté de ces questions, que l'alternance en République démocratique du Congo n'était pas un effet spontané. Je ferme la parenthèse, comme Macron l'avait fermé et le président s'est tu, parce qu'il savait de quoi il s'agissait réellement. Les souverainistes, les kabilistes à l'époque, ils étaient souverainistes et souverainistes, ils reviennent avec le même discours à la veille des élections, c'est l'habitude. Et moi, je tiens ici à dire au... Non, c'est l'article 5 de la Constitution. Mais oui, c'est constitutionnel. Lisez l'article 5 de la Constitution. C'est le peuple qui choisit les dirigeants. Ça n'a rien à voir avec Kabila. Maître Rodrigue, je vous en prie. Parce que ce sont des notions qui ont commencé avant que Kabila naisse. Freddy Mwamba, s'il vous plaît. Maître Freddy Mwamba, je vous en prie. Maître Rodrigue, continuez. Je tiens encore à préciser. Notre démarche est une démarche de responsabilité. Je suis un acteur politique. L'objectif principal, c'est de donner à mon peuple une vie meilleure. Je crois avoir démontré sur votre plateau, je ne sais pas si je suis obligé de le répéter, je vous en prie, sur les trois piliers qui conduisent le processus électoral. Voilà. J'aurais voulu écouter mon co-débatteur me dire que ces trois piliers sont faux. Ces trois piliers n'existent pas. Vos revendications, notamment sur la CENI, sont faux. Vos revendications sur l'irrégularité de la composition de la Cour constitutionnelle n'est pas vraie. Regardez les éléments qui démontrent qu'il n'est pas vrai. Je crois que c'est ça, la contradiction. Tant que mon co-débatteur n'est pas venu en contradiction sur ce que moi je dis et qu'il part dans ce qu'on appelle le périphrase et il part à côté, ça veut dire que mon argument tient encore. Donc nous sommes engagés dans un processus électoral aujourd'hui
qui techniquement démontrent à suffisance que ceux qui sont au pouvoir préparent une fraude électorale et non une élection crédible où le peuple va exprimer sa volonté. Le combat aujourd'hui, c'est d'éviter qu'après les élections, que nous revenions dans la rue pour voir les gens revendiquer l'impérium comme c'était en 2011, pour voir les gens revendiquer la vérité des urnes comme c'était en 2018. Le souci aujourd'hui, c'est que les Congolais aillent aux élections. Après les élections, ils constatent que les résultats étant publiés bureau de vote par bureau de vote, à la criée, et qu'ils ont vu les résultats, qu'effectivement, celui qui gagne les élections pour la toute première fois prend son téléphone pour appeler son challenger et lui dire « Félicitations, comme ça se fait ailleurs ». N'est-ce pas? On a toujours tendance à voir ce qui se passe ailleurs du côté de mal, mais on ne voit pas ce qui se passe en bien. En bien ailleurs, c'est quand on perd les élections, celui qui perd appelle son challenger pour lui dire « Félicitations » et la démocratie continue, les combats continuent dans l'opposition. Je crois que c'est ça le vœu des Congolais dans le souci de voir la maturation de notre démocratie. Nous devons amener cette démocratie à la maturité. On ne peut pas refaire les erreurs de 2006 à 2011, aujourd'hui dans un cycle, quatrième cycle électoral en 2023. Vous permettez que je vous ajoute En toute responsabilité, on n'aurait pas évolué. Les vrais débats aujourd'hui, les Congolais doivent le savoir, les débats, les combats de l'opposition, c'est de leur accorder la crédibilité de leur suffrage. Alors, je vous interromps un peu, permettez. Alors, lorsqu'il dit qu'on n'est pas encore aux élections, et moi je peux ajouter que la personne qui organise aujourd'hui les élections, ce n'est pas Corneille Nangaa. Parce que vous vous référez aux élections de 2018, même si vous ne voulez pas qu'on puisse parler du passé, mais quand même vous faites référence à ce qu'il y a eu en 2018, 2011 et machin. Mais aujourd'hui, nous avons Denis Kadima, ce n'est pas Corneille Nangaa, ce n'est pas Ngoï Moulunda, ce n'est pas Malou Malou et j'en passe d'autres. Est-ce que vous ne pensez pas que vouloir à tout prix que les choses soient faites comme vous le désirez va permettre ou va occasionner ces glissements que vous ne voulez pas en même temps? Simplement, je veux parler aux Congolais. Est-ce que le Congolais, lorsqu'il regarde la conduite du processus électoral de 2023, dégage-t-il des différences avec le processus passé? Sommes-nous pas dans le même débat? Je parle aux Congolais qui nous regardent. Sommes-nous pas dans le débat de l'audit du fichier électoral, qui doit être audité de manière crédible? Sommes-nous pas encore dans le débat de la composante opposition au sein de la CENI? Mais on dit que c'est toujours les stratégies ou stratagèmes politiciens. Non, parce que vous me dites ici qu'on n'a pas évolué. Ma grande question, moi je suis citoyen congolais, acteur politique, je parle aux Congolais. Ils vont observer que c'est soit le même débat qu'on a eu à l'époque de Kabila que nous avons aujourd'hui à l'époque de Tshisekedi. Ça veut simplement dire que tout ce qui a changé, c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, alors que le même système demeure. La réflexion, en fait, doit se baser sur des éléments probants comme ça. Moi, j'ai donné de faits. Je parle de faits. Je ne parle pas des imaginations. Je parle de faits. Qu'est-ce qui a évolué dans le processus, dans la conduite du processus électoral? Le même tactique avec Kabila du remplacement par fraude au niveau de la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi l'a refait. Le même tactique de débaucher dans l'opposition pour les engager. Vous savez, en 2011, il y avait ces grands débats de Jean-Pierre Kalamba. Jusqu'à la fin du processus, l'IDPS. Mais c'est là où les Congolais pensent que ce sont les stratagèmes politiciens, les politiciens congolais, de toujours accuser leurs envoyés. Il ne faudrait pas être amnésique et oublier l'histoire du pays. Je vous rappelle que l'IDPS a contesté, le vieux Étienne Tshisekedi avait contesté la présence de membres de l'IDPS à la CENI. Qui ne les avait pas envoyés? Mais Kabila, tout compte fait, a débauché, les a engagés dans la CENI. Et on a vu le travail que M. Kalamba a fait en faveur d'un camp politique. Aujourd'hui, nous sommes dans le même débat. On vous dit que ceux qui sont là ne sont pas le nôtre. Mais Denis Kadima, ici, vous rassure, il dit qu'il n'est pas là pour faire de la magie ou pour favoriser un candidat face à un autre. Morgan, nous sommes intellectuels. Pensez-vous vraiment que moi, Rodrigue Ramazani, je vais rester là en train de parler de nation sur les propos de M. Kadima ou bien je vais parler de faits? Je parle de faits, je ne parle pas de M. Kadima, je m'en moque. Je parle de faits. Le fait est c'est lui qui organise ces élections, vous allez prendre part. Je m'en moque simplement. Vous lui devez une confiance. Je m'en moque. Sinon, ça ne sera pas. Je m'en moque simplement. Je m'en moque.
simplement parce que le fait me démontre les contraires. Je ne suis pas de ces intellectuels qui regardent la Constitution et disent « La République démocratique est un état de droit parce que la Constitution l'a dit ». Ce n'est pas moi, je ne suis pas ce genre d'intellectuel, je ne suis pas un monomaniaque. Okay. Moi je suis de ces intellectuels, je regarde, la Constitution dit que le Congo est un état de droit, je vais vite vérifier le fait. Quel est le fait? Il y a des arrestations arbitraires, des détentions illégales, il y a violation de droits de l'homme, il y a le président de la République qui dit même qu'ils sont moqués de droits de l'homme en Boujimaï. Ça ce sont les faits. J'y reviens pour vous dire, au-delà du fait que la Constitution le dit, mais dans le fait, le Congo n'est pas un état de droit. Donc, donc pour conclure, nous, notre combat, c'est un combat de responsabilité. Envie de permettre à ce pays de respirer effectivement la démocratie. Il est temps aujourd'hui que ce fichier électoral puisse connaître un contre-expertise en vue de nous permettre de bien voir ce qu'il y a dedans. Il est quand même inimaginable, c'est pour la première fois dans ce pays, pour ceux qui suivent les politiques publiques, notamment de questions électorales, qu'il y ait audit du fichier électoral sans l'opposition. Sans l'opposition. En 2018, il y a eu audit du fichier électoral avec l'opposition. Et la personne qui avait conduit la délégation de l'opposition lors de l'audit du fichier électoral, c'était le président Martin Fayoul. C'est toute la... C'est... Aujourd'hui, on a audité... Le... Dites-moi aujourd'hui, je crois que mon ami de la majorité va nous dire, quelle est l'institution qui a audité le fichier électoral de la CENI? Quelle est cette institution? Avant, on connaissait les institutions qui auditaient. Et l'opposition était là. Et grâce même à l'opposition, on a pu sortir plusieurs doublons dans le fichier électoral à l'époque. Mais aujourd'hui, il faut nous dire, quelle est cette institution sérieuse? Un cabinet, une organisation sérieuse qui a audité les fichiers électoraux sous notre très cher Denis Kanima. J'attends, je sais qu'il n'a pas de nom parce qu'il n'y en a pas. Ce sont des copains et copines qui ont travaillé avec M. Kadima à travers les observations électorales qui sont venues certifier un travail qui coûterait beaucoup de millions à l'avenir de toute une nation. Qui est reconnu. Non, M. Kadima, c'est un bon observateur électoral, nous le savons. Mais ce n'est pas un technicien électoral. C'est un observateur, il a observé les élections. Mais est-ce qu'à ce poste-là, il n'a jamais organisé une élection. Il n'a jamais organisé une élection, il a observé les élections. Comme on connaît, Nanga n'avait pas jamais organisé lui aussi. Il a observé les élections. Non, Nanga a un parcours dans la vie électorale. Et il n'avait jamais organisé les élections, ça, nous sommes d'accord. Si je vous dis par exemple, comment il s'appelle, Malunda était technicien. Il n'a jamais organisé, mais c'est un technicien, il fut secrétaire exécutif de la CENI. Voilà. C'est un technicien électoral, n'est-ce pas? C'est un technicien, donc il a un parcours. Il a un parcours, il connaît l'organisation des élections. Monsieur Kadima, c'est un bon observateur. Il a très souvent observé les élections, mais il n'a jamais organisé. Donc, me dire que c'est un technicien, moi, je ne vous prends pas, je ne le prends pas. Alors, mais pour clore cette affaire, j'insiste, il faut, ce qu'on veut, c'est les sérieux. C'est mon ami est sérieux qui nous dise quel est le cabinet ou l'organisation qui a audité le fichier électoral. Donc, et comment est-ce que l'audit du fichier électoral se fait? Vous faites l'audit seul? Entre vous, membres de l'Union sacrée, vous dites « Ok, on a audité le fichier électoral. » C'est pas sérieux. Maître Freddy Mwamba, l'opposition campe sur sa position. Il faut un audit sérieux. Un audit fait en présence de l'opposition. Ce qui est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que vous voulez que les choses soient faites à la va-vite, tout simplement? De manière opaque. Et de manière opaque, comme il vient de le dire, pour mettre les autres parties prenantes devant un fait. Ça, c'est lui qui l'a dit. Mon cher ami, quand on les invite d'abord d'aller participer au cadre des concertations, est-ce qu'ils y vont d'abord? Ils participent d'abord au cadre des concertations telles qu'ils sont là. Quand on les invite, ils ne viennent pas. J'ai appris par lui dire qu'ils ne venaient pas à chaque fois qu'on les appelait. Alors, que voulez-vous qu'on fasse? Je suis peut-être même dans la logique de vouloir d'abord obtenir ce qu'il veut. Mais c'est faux déjà le président de la commission électorale nationale indépendante a invité l'opposition. Non, il est vite. Il a dit je clairement. Je vais juste lui ajouter une information. Ils ont besoin de l'opposition pour venir. Non, j'ai une information à vous ajouter. Et j'aimerais te dire, Morgan. Il ne va pas me laisser parce qu'il n'a pas l'info. Que tu n'as pas l'information. C'est le cadre de concertation. Non, comme c'est un légaliste. Au cadre de concertation. Au cadre de concertation. Le temps de Il me donne une seule disposition de la loi électorale qui prévoit que l'audit externe doit être fait par une institution. Une institution qu'il me donne.
S'il met dans cet article-là, là, je serais d'accord avec lui. C'est quoi la question par... Je ne comprends pas la question. C'est qui la question est très mal posée. C'est quoi la question? Non, mais parce que lui, il insiste sur le fait que ça doit être... L'audit externe doit être fait par une institution. Ou mais cabinet qu'il sérieux. Mais qui est la loi qui est habilité le fichier? Qui est habilité? La loi ne prévoit pas ça. Qui est habilité? Non, monsieur le journaliste, il faut demander à notre ami question, qui a audité ce fichier. Ce sont les experts électoraux qui viennent de l'étranger. Ah ouais, les amis, copains et copines. Donc ces experts, c'est pas sérieux. Ces experts les font en présence des parties prenantes, bien sûr. Mais bien entendu. Alors, mais quand ils se plaignent que ça a été fait à leur absence. Et que ils... On les invite, ils ne viennent pas, mon cher. C'est ça, là, c'est toute la difficulté. Et le président de la CENI ne s'est pas lassé. Il a continué son appel jusqu'à maintenant, il les attend et ouais, à la CENI. Il est prévu une rencontre avec... Mais alors, est-ce qu'il a refusé à ce qu'ils viennent? Qu'ils viennent auditer les fichiers électoraux. S'ils veulent venir, qu'ils viennent encore au niveau de la CENI. Alors, voilà la question que je vous pose. Selon ce que je sais, c'est que les responsables de la CENI les attendent. De toute façon, nous, nous sommes comme eux aussi. Nous sommes aussi partie prenante au processus électoral. Mm-hmm. Il ne nous revient pas à nous d'envoyer les invitations, n'est-ce pas? Mais eux pensent que Kadima, c'est votre homme. Ils pensent que Kadima, c'est votre homme et la Cour constitutionnelle vous a acquise. Toute la CENI est composée des gens qu'eux ne reconnaissent pas. Kadima a été choisi par les confessions religieuses, mon cher ami. Même s'il a voulu faire selon eux, il reste à l'opinion ici sur ce plateau que je n'ai pas rencontré. Je n'ai pas rencontré ces moyens. Mais bien au contraire, qu'ils me disent le contraire. Kadima a été choisi par qui? N'est-ce pas par les confessions religieuses? C'est la composante de confession religieuse qu'il a choisie au sein de la société civile. Okay. Tout le monde a suivi. Il est venu de l'église kimbanguiste. Mm-hmm. Et même les chefs spirituels de l'église kimbanguiste l'a revendiqué comme étant celui que lui a envoyé là-bas. Très bien. Oui. Alors, il a réclamé pour dire qu'on arrête avec les spéculations et autres. Kadima a été choisi par l'église kimbanguiste. Voilà. Et il ne suffit pas de dire qu'il faut qu'il soit de l'église kimbanguiste, mais il a été parrainé parce que c'est le parrainage qui est prévu. Un autre candidat. Le parrainage, c'est ça qui est prévu. Un autre candidat. Ce n'est pas que forcément, il faut être forcément de cette église-là pour être choisi. Il peut être parrainé. Un autre candidat, en tout cas, à en croire sa famille politique, il sera candidat à cette élection, c'est Joseph Kabila, qui a promis de se prononcer incessamment. Il est arrivé hier à Lubumbashi. Mais on a entendu les bruits des couloirs, que des perquisitions en série et seraient déjà programmées pour que l'on mette l'homme en difficulté et toute sa famille politique, ses proches, collaborateurs. Alors, pourquoi est-ce que vous avez peur de Joseph Kabila? Mais pourquoi est-ce que les gens cherchent à en faire tout un pataquès? Non, mais c'est comme si quand ça parle, véritablement une faute il lourde faut vraiment lorsque on va, par exemple, perquisitionner. Mon cher ami, entre nous, soit dit, tu n'as rien à voir avec la justice. Tu n'as pas des ennuis judiciaires. Tu ne te reproches de rien. On vient perquisitionner chez toi. Est-ce que tu vas en faire un problème? Perquisitionner pour trouver quoi? Pour chercher quoi? On comprend pas. Si tant est que cela s'est fait dans les normes, admettons que cela se fasse dans les normes, est-ce que tu vas en faire un problème? Toi, tu sais que tu n'es pas en train d'ourdir une trame contre le pouvoir en place ou de nouer une intrigue contre le pouvoir en place. Tu ne vas pas en faire un problème. Non, tu vas laisser les gens faire leur travail et puis c'est fini. On craint c'est un ancien chef de l'État, moi je l'ai vu, mon cher ami. Toi, tu n'as pas vu le président honoraire aller à Lubumbashi? Est-ce qu'il est sûr qu'il parle comme il veut? Ben, on a vu hier, il est arrivé par un avion. J'ai suivi dans les réseaux sociaux. Un avion commercial. Il était en train, c'est pas moi, de soutenir sa thèse. Je ne sais pas moi si c'était en ligne, si c'était en présentiel ou quoi là, ou en distanciel, je ne sais pas. Mais il soutenait sa thèse, il est libre. Il circule partout où il veut. Mais, où est le problème? Mais la crainte, c'est qu'on dit que derrière ces perquisitions qu'ils ont prévues... Léon, là, c'est qui? Léon, là, c'est qui? C'est ça le problème. Nous, donc, ça veut dire qu'il s'agit... Nous sommes obligés de protéger les sources du moment où ce n'est pas encore officiel. Il semble ici que cette série de perquisitions qui est prévue va mener à quelque chose qui peut déboucher à une guerre civile. C'est là la crainte, en fait.
Parce que la famille politique de Joseph Kabila dit de ne pas se laisser faire. Non, si jamais les choses seront faites pour humilier leur autorité morale. Bon, je ne sais pas. Si on le fait, cache quelque chose. Si on le fait pour humilier. Parce que si vous me dites, c'est vous qui dites sur ces plateaux. Non, selon la famille politique de Joseph Kabila, si ceci est fait de manière à humilier leur autorité morale, ils ne se laisseront pas faire. Voilà. Comment humilier leur autorité morale? Moi, je pense que c'est l'État, c'est la police, ce sont les services de sécurité de l'État congolais. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, ils étaient au pouvoir. Ils en savent quelque chose. Il y a quand même ce mythe-là du pouvoir que nous devons quand même préserver dans ces pays. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'il y a des initiatives qui sont faites comme ça par nos services, qu'on voit toujours le mal derrière. Non, pas du tout. Donc, s'il y a un mal quelque part, je pense que tout le monde va voir que c'est un mal, parce que le mal reste un mal, même si on le fait. Le bien reste un bien, même si on ne le fait pas, mon cher Morgan. Merci beaucoup. Et donc, ça va paraître aux yeux de tout le monde, ça va transparaître. Tout le monde verra que ça ne s'est pas fait dans les normes. Et il y aura des gens qui vont revendiquer, qui vont réclamer. Entre-temps, nous sommes dans un état de droit. Si jamais... Même si mon cher ami pense qu'on est tout simplement livresque, parce qu'on voit seulement ce qui est écrit, nous limitons à la lettre, mais on n'est pas factuel. Mais c'est faux ce qu'il est en train de dire. Mais dans tout ce qu'il dit, il n'y a pas de fait avéré qu'il a relevé aussi ici, qui démontre à suffisance qu'il y a véritablement une violation de la Constitution. Maître Rodrigue, Joseph Kabila est aussi dans l'opposition parce qu'il ne prend plus part à la gestion du pays. Est-ce que, dans la mesure du possible, vous pouvez coaliser pour mettre de côté Félix Tshisekedi, comme ça s'est dit dans certains salons politiques, ou ça sera quand même, ça sera pas logique parce, vu le combat que vous avez mené contre ces derniers? Écoutez, avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur une information capitale. Je crois que mon co-débatteur n'est pas informé, ou carrément des membres, son parti ne lui a pas informé. À chaque fois que la CENI lance les invitations, l'opposition y va. Aujourd'hui, je t'informe, peut-être que tu ne le sais pas, le secrétaire exécutif provincial de Kinshasa a lancé une invitation au parti de l'opposition. Ils sont allés, l'envol en l'occurrence est parti. Donc quand il dit que quand on les appelle, ils ne viennent pas, je ne sais pas de quoi il parle. Moi qui connais les questions politiques ou publiques parce que je le suis de près, je peux lui contredire que ce n'est pas vrai. À chaque fois que la CENI lance une invitation, les parties prenantes y vont. Et alors si l'invitation a été faite à l'opposition pour auditer le fichier électoral, je ne vois pas l'opposition ne pas venir. Nous avions tous suivi que la CENI avait lancé une foire à l'ouverture, je ne sais de quoi. À la fin de cette foire où il appelait toute la population, maman maraîchère, il appelait nos frères taximènes pour venir visiter la CENI, regarder les bureaux de la CENI. Après cette visite de bureau de la CENI, nous constatons que tiens, ils ont audité, l'audit s'est bien passé. On n'a rien compris. Quand on parle des parties prenantes, les parties prenantes sont connues. Majorité, opposition et société civile. Et quand les organisations... Parce qu'ils parlent trop de l'opposition. Il y a même les organisations de la société civile qui s'en plaignent. Plusieurs organisations, notamment l'Église catholique, qui n'ont pas participé à l'audit de cette fichier. Comment pouvez-vous voir que l'audit s'efface sans nous les sociétaires? Sans nous, les parties prenantes. C'est une question de logique et d'information. Donc, à ce niveau d'information, je tiens à te rassurer qu'à chaque fois que la CENI lance une invitation, nous y allons. Je ne sais pas qui vous a dit qu'il... Bon, et heureusement, tu as dit alors, tu as oui dire. Répondez. Tu as oui dire, tu n'avais aucune précision. Là, question. Tu as au moins une précision de l'opposition. Voilà, maintenant, répondez. À votre question, si nous pouvons ou pas être est-ce qu'une coalition est envisageable avec Joseph Kabila, qui était votre ennemi? Rien de tel n'est à l'ordre du jour. Rien de tel n'est en perspective. Rien de tel n'est envisagé. Aujourd'hui, je ne peux pas me mettre ici, mon porte-parole, acteur politique d'un parti politique. Je ne vais pas venir ici en train de réfléchir sur des suppositions. Mais s'il décide d'aller aux élections et que vous... étant de l'opposition, lui dans le même camp que vous, est-ce que vous ne pouvez pas? Mais s'il ne décidait pas,
Non, mais... Donc, c'est là où je veux vous dire, si on peut refaire le monde, et si on mettait Kinshasa dans une bouteille, et si on mettait Paris dans une bouteille. C'est un peu ce genre de réflexion que je ne veux pas faire. Et d'un coup, je vous dirai ceci. En tant qu'acteur politique, en tant que fils de ce pays, nous devons aimer ce pays. Au-delà de nos divergences. On doit être conscient, au-delà du fait que nous avons la possibilité, nous autres qui nous réveillons, avions la chance de nous réveiller les matins, d'aller trouver du pain et vivre peut-être paisiblement avec nos familles, et ceux qui sont au pouvoir qui disent qu'ils n'ont plus de contrat avec la pauvreté, dixit un secrétaire général d'un parti politique au pouvoir, qui aujourd'hui roule avec 4 voitures V8 au moyen de l'État. Non, évitez le raccordement frauduleux. Je suis en train de répondre à ta question, parce qu'il n'y a pas une deuxième question. La première question, j'ai répondu, tu n'as pas posé une deuxième, c'est pourquoi je continue à parler à mon peuple. Non, si tu as une question, je réponds. J'ai posé la question par rapport à Kabila. Et... J'ai répondu, j'ai dit que tu me dis si. Je te réponds, je te dis, avec si on peut mettre Paris dans une bouteille. Voilà. Avec si on peut refaire le monde. Alors. Si Jésus n'existait pas, aurait-il des chrétiens? Donc, c'est un peu avec, des perquisitions qui seraient. D'où je suis en train de parler à mon peuple. Des perquisitions qui seraient prévues pour, évidemment, perquisitionner les maisons. Je vais arriver aux perquisitions parce que c'est la deuxième question. Je vais juste finir avec ma réflexion. On doit savoir qu'il y a plus de 80 000. Au-delà de notre conditions reluisantes, lorsqu'on est au pouvoir, on doit savoir qu'il y a plus de 80 millions de Congolais qui vivent dans la misère. Il y a une grande partie de notre territoire national qui est en proie à l'insécurité. Qu'il y a aujourd'hui des violations graves de droits de l'homme. Ce pays nous appartient. Nous allons partir, nous allons laisser ce pays. Et nous allons les laisser dans quel état? Et nous devons travailler pour faire maturer notre démocratie, pour que le pays demain puisse avoir un élan, pour que les plus démunis des Congolais aient ne serait-ce qu'un espoir à son avenir. Mais le pays que nous voulons construire aujourd'hui, sur base des appartenances politiques, et on veut oublier tous les fondamentaux, demain, ça va nous rattraper. Je sais, il y avait hier, ceux qui étaient de l'autre côté, qui étaient avec Kabila, qui toisaient le pays, qui faisaient tout ce qu'ils voulaient, parce qu'ils pensaient que le pays allait rester sous leur contrôle. Aujourd'hui, ils sont de l'autre côté, ils se plaignent de perquisitions, ils se plaignent des arrestations arbitraires, chose qu'ils faisaient hier. Ce n'est pas ce pays que nous devons construire. Nous devons construire un pays effectivement démocratique et un pays dit état de droit. Maintenant, pour répondre aux questions des multiplicités si d'interpellations, parce que mon co-débatteur a semblé me faire comprendre que, il y a effectivité de l'état de droit ici. Je vais donner un fait, peut-être l'information il n'a pas. L'ADEMIAP aujourd'hui, au moment où je vous parle, aujourd'hui, l'ADEMIAP vient d'arrêter 3 journalistes et certains avocats qui étaient venus. D'abord, le journaliste qui était venu couvrir une maison, je crois, un conflit entre un citoyen et les ministres d'Habitat. L'ADEMIAP, je parle bien, ces militaires sont venus, ils ont arrêté ces journalistes, ils sont allés avec eux vers une destination inconnue. Si vous savez identifier que c'est de l'ADEMIAP, donc vous devez bien évidemment connaître aussi la destination. Nous sommes, vous savez, lorsqu'on parle d'un état de droit, on parle de respect des normes. Mais est-ce que s'il y a des soupçons, que bien que déguisé en journaliste, encore qu'il faut le prouver, et s'il y a des soupçons, parce que la DEMIAP et cette division qui s'occupe des renseignements, s'ils ont des informations mettant en cause ces derniers, quoique en tenue ou en costume de journaliste, vous pensez vraiment qu'on ne peut pas les interpeller? Ce sont des journalistes connus, ce sont tes confrères. Bien sûr. Journaliste de Radio Okapi. Voilà. Comme ils sont déjà bien identifiés, c'est très bien. Mais est-ce que vous pensez que s'il y a des soupçons qui pèsent sur eux, on ne peut pas les interpeller? Tes confrères journalistes qui sont interpellés seraient soupçonnés d'avoir attenté à la sûreté de l'État. Vous êtes journaliste. Je n'affirme pas. Vous êtes journaliste. Parce que nous également, on nous a plus d'une fois interpellés. Vous êtes journaliste, et s'il y a des renseignements, je crois que mon co-débatteur est avocat. Moi, étant qu'avocat, je ne peux pas dire... Non, je suis en train de les charger. Vous êtes dans le si. C'est ça le problème avec les si. Non, mais... Et si ce n'était pas Ils seront relâchés, bien évidemment. En fait, voilà pourquoi je ne veux pas... Je n'aime pas trop les réflexions qui partent des si positions. On a connu toutes ces réalités. Donc, cette réalité fait en sorte que les journalistes reconnus soient arrêtés par l'ADEMIAP, qui est un service essentiellement militaire.
Ils sont venus faire quoi? Ils sont venus couvrir un conflit parcellaire entre un ministre et un citoyen. Et vous voulez nous dire que si ces journalistes-là étaient attaqués pour atteinte à la sûreté de l'État, c'est pourquoi la DEMI a intervenu? Ce sont vos confrères qui vous suivent. Hein. Vos confrères, non, je suis en train PC, de réfléchir. L'INPC vous suit aussi en même temps. Comment est-ce que vous traitez les cas de vos confrères? Non, je n'ai pas évoqué tout ce que vous essayez de... Non, je n'insinue rien. Je suis dans une posture d'information. Voilà. Vous attaquez vos confrères, ce n'est pas moi. Je suis resté dans le fait... Pour dire que non, Adelia, dans non, sa mission, dans sa mission de récolter des renseignements, croire à l'opinion que ces journalistes-là seraient arrêtés pour atteinte à la sûreté de l'État par Adelia. Ça, je n'ai pas dit. Mais donc, sinon, j'estimais que s'il y a nécessité, ils peuvent être interprétés. Donc, je vous en prie de continuer. Vous pouvez améliorer, comme ça, je peux continuer avec ma réflexion. Non, continuez, je vous ai dit. Ok. Donc, on comprend très bien qu'il est insensé, il est incompréhensible de voir la DEMIAP venir intervenir dans une affaire des civils. Il s'agit là d'une affaire entre civils. Conflit parcellaire. Les avocats sont là, les dossiers, on l'a vu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui parce que le monsieur est passé même sur Bosolona politique. Il s'agit d'un conflit parcellaire entre le monsieur et un ministre en fonction. Conséquence, la DEMIAP peut venir arrêter les journalistes dans ces conditions. Dans ces conditions, il n'y a pas état de droit. Un état de droit, c'est un état qui respecte les normes, qui respecte les droits fondamentaux des citoyens. Arrêter les citoyens dans ces conditions par ce service-là, ça ne s'explique pas. Donc, je crois que déjà dans la pratique, on peut s'expliquer. Il y a un deuxième fait de violation de droits de l'homme. C'est l'arrestation du responsable de la cellule numérique de l'envol, l'Insomelonga, qui est détenu aujourd'hui, tenez, à l'ANR, plus de 60 jours. Plus de 60 jours détenus à l'ANR. Je mets tous les journalistes, je mets tous les juristes congolais en défi de nous expliquer, surtout de la majorité, quelle est la procédure quel est le texte légal qui permet à l'ANR de détenir un citoyen, je cite son nom, Lens Omelonga, c'est un jeune médecin, plus de 60 jours dans ses locaux, alors que les dossiers sont vides parce que la MONUSCO qui est allée, on ne veut pas voir ses avocats, on ne veut pas voir les membres de sa famille, la MONUSCO qui est allée suivre ce dossier parce qu'ils ont eu vent de ça, ils sont revenus pour nous dire que le dossier était vide. Il n'y avait rien qui était reproché à ces jeunes, sauf que quelques-uns de ces tweets ont gêné certaines autorités du pays et que pour le libérer, il faut l'aval de la haute hiérarchie. Savez-vous ce qu'est la haute hiérarchie à l'ANR? L'ANR est placée sous la direction, sous l'autorité directe du président de la République. Vous pensez, L'Insomelonga est un prisonnier personnel. Déjà, le nom de l'INS, je le découvre à peine. Vous pensez vraiment que l'INS Omelonga représenterait des dangers à ce point de gêner le président de la République? En tout cas, c'est la question que j'aimerais bien répondre. Mais sauf que c'est lui la haute hiérarchie de l'ANR. La haute hiérarchie, à l'ANR, il n'y en a pas deux. Ça reste. Il n'y en a pas deux, c'est le président de la République. L'Insomelonga détenu plus de 60 jours à l'ANR en violation de ses droits et libertés, alors que je ne suis pas étonné à suivre le président de la République en Mbujimayi qu'il dit que pour la sûreté de l'État, parce que c'est devenu une infraction en ordre, il s'en moque des droits de l'homme. Et aujourd'hui, à part son discours, il a donné un chèque à blanc aux différents services de violenter les droits des citoyens. Comment pouvez-vous être étonné que la DEMIAP aujourd'hui procède à des interpellations arbitraires contre les journalistes et contre les avocats? Comment serons-nous étonnés aujourd'hui que l'Insomelonga soit les détenus privés de Félix Tshisekedi pendant plus de 60 jours à l'ANR? Ça ne s'explique pas. Donc, parce que nous parlons des perquisitions, parce que nous parlons de la sûreté de l'État, nous disons ceci, la sûreté de l'État aujourd'hui doit être garantie par le président de la République. Il ne doit pas s'échapper de ses responsabilités de sécuriser les Congolais. Aujourd'hui, le président de la République est incapable de sécuriser les Congolais. Les Congolais vivent en insécurité sur toute l'étendue du territoire national. Bounagane est occupé plus d'une année. Nous aimerions bien voir le président de la République sortir ses biceps. Le dernier point, sortir ses biceps, ouais, pour combattre l'insécurité à l'est, l'insécurité à Kouamouto, l'insécurité à Kinshasa où la population est en proie des Kuluna. Nous n'arrivions plus à vivre en paix parce que les Kuluna sont là alors que le président de la République passe son temps à traquer des hommes comme Lens Omelonga. Merci et le mettre en détention maître, à l'année pendant plus de 60 Rodrigue jours. Ramazani. Maître Freddy Momba, nous allons prendre le dernier point. Alors, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a participé il y a quelques jours
à un sommet important à Luanda, toujours dans la recherche de la paix pour la situation qui prévaut dans l'est du pays. Et il est prévu, selon les conclusions du communiqué final, il est prévu une rencontre ou un arrangement à l'amiable avec le Rwanda. C'est-à-dire Paul Kagame et son homologue Félix Tshisekedi doivent essayer de trouver une solution à l'amiable. Alors, quand on sait la malignité de Paul Kagame, la stratégie, il y en a qui se posent des questions. Est-ce que ce n'est pas une façon d'endormir notre pays une fois de plus, surtout lorsqu'on sent qu'il y a une montée en force de nos forces armées? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord revenir sur ce Je vous en prie, mais ne soyez pas très long pour ne pas perdre le temps. Non, il parle des journalistes qui ont été arrêtés. Le journaliste Jeff Ngoï et les autres, il y avait une journaliste de RTNC qui a déjà été libérée, parce que la journaliste de RTNC. À ce niveau-là, on ne peut pas parler de l'arrestation. À ce niveau de la procédure, c'est un juriste. Ils ont été interpellés. Par qui? Parce que les OPJ de la détection des actes. S'il vous plaît, laissez-les répondre. Ces OPJ de la détection des actes antipatriotiques n'ont pas les pouvoirs d'arrêter. Ce qu'eux peuvent, c'est interpeller et mettre probablement ceux qu'ils interpellent en garde à vue. C'est ça la compétence que la loi reconnaît à ces OPJ-là. Donc, même le magistrat interpellé sur relation. Même un magistrat, il n'arrête pas. Un magistrat lui place sous mandat d'arrêt provisoire. Il peut te placer sous MAP. La personne qui t'arrête, c'est les juges. C'est les juges qui ordonnent l'arrestation de quelqu'un. Après l'avoir condamné, bien entendu, parce qu'il peut aussi, lorsqu'on vient solliciter la prolongation en chambre du conseil, il peut ordonner, par exemple, la détention préventive de la personne. Mm-hmm. Et donc, la procédure de détention, on commence par la garde à vie. Mm-hmm. Après la garde à vie, vous avez les mandats d'arrêt provisoire, les placements sous mandat d'arrêt provisoire. Après, vous avez les placements en garde à vie, les placements sous mandat d'arrêt provisoire. Et puis la détention préventive qu'on va solliciter auprès du juge. Mm-hmm. Voilà, donc c'est cela. Donc, ils n'ont pas été arrêtés, ils ont été plutôt interpellés. Et on interpelle des gens pour des raisons d'enquête. Vous comprenez? On vous interpelle pour des raisons d'enquête. Et puis, si on estime qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, l'OPJ peut prendre ton dossier, il est transmis au niveau de l'OPJ par excellence, qui est le magistrat. Parce que c'est le magistrat, c'est lui qui recherche, c'est lui qui est le même l'OPJ par excellence. Voilà. Le magistrat du parquet. C'est lui qui recherche les infractions. C'est lui qu'on a, même l'OPJ aussi. Mm-hmm. Mais l'OPJ par excellence, c'est en le fait magistrat. Les magistrats. Les magistrats du parquet. Tout à fait. Alors, répondez à la question parce que ça, on a compris. Et donc, le temps. À ce stade ici, nous ne pouvons pas considérer qu'ils ont été arrêtés. Ils n'ont jamais été arrêtés. Alors, parlons. Ils ont été interpellés. Et ici, ils se basent sur ça pour dire qu'il s'agit de la violation d'un état de droit. Je suis surpris. Alors que pas plus tard qu'hier, leur Macron qu'ils sont en train. Qu'ils sont en train d'adouber ici pour dire voilà, au moins ils peuvent approuver tout ce que Macron fait parce que c'est un pays démocratique. À Nanterre, il y a eu un jeune qui de 17 ans qui a été fusillé à bout portant comme ça. À Nanterre, en France, nous sommes en France, par un policier qui a fusillé un jeune homme. Vous allez me dire quoi? Alors, je vous en prie, conclure très rapidement. Mais quand il s'agit avec de la République sommet de Luanda, Congo, nous sommes pratiquement à la fin. Donc, on les considère sommets, que non. Les sommets de Luanda. Là-bas, on est dans les. Il y a des violations. S'il vous je plaît. Peux accepter qu'il y a des violations du droit de l'homme dans la partie orientale de notre Freddy pays. Mamba, parce que là-bas, il y a des exactions qui se commettent à l'égard des compatriotes. Les... par les sbires de Kagame. S'il me dit ça, là, je suis d'accord. Là, les sommets, les sommets de Luanda. Là-bas, il y a violation des droits de l'homme. Freddy Mwamba, les sommets de Luanda, s'il vous plaît. On conclut avec ça très rapidement. On estime qu'ici, il y a encore une manœuvre pour que la RDC perde encore. Je pense que vous m'avez. C'était là. Vous m'avez d'ailleurs tendu la perche, parce que je parlais même de Kagame ici, directement. Ouais. Pour donc dire on concluait. Ce qui est important, c'est qu'il a fallu que. Compte tenu, n'est-ce pas, des différentes forces qui sont... D'abord, la force qui est ici sur le terrain. On a dit, le président de la République avait insisté à ce que cette force ne puisse pas encore renouveler. Comme vous le savez bien, la force régionale de l'EAC
ne peut pas partir comme ça. Il faut qu'on accorde une période probatoire. Parce que le président avait dit, s'il ne respecte pas, il y avait un si. Le président avait dit, s'il ne respecte pas leur mandat, qui au demeurant était mandat offensif, ils doivent évacuer et rentrer. Mais on estime que c'est pour stopper l'élan de la montée en puissance. Il y a toujours une période probatoire parce que ce sont des questions sécuritaires. Ces résolutions ont été prises. Sont toujours sensibles. Ça veut dire que ces gens-là sont venus avec leur logistique, sont venus avec ceci, sont venus avec cela. Ils ne peuvent pas abruptement comme ça se retirer et partir parce que la logistique, ça prend aussi du temps pour ça. C'est comme ça qu'on leur a accordé une période probatoire parce que si les mandats devaient être renouvelés, les mandats allaient être de 6 mois. Parce qu'ils avaient déjà fait 6 mois. Mais on leur a accordé 3 mois. J'ai compris que c'était une période probatoire. Le temps qu'ils alors cette le rencontre temps et arriver véritablement à laisser maintenant à céder la place à la SADC cette qui doit se déployer sur les terrains. Qui maintenant, tout cela doit nécessiter une sorte de coordination. C'est pourquoi l'Union africaine a organisé la rencontre. C'est l'Union, c'est à l'initiative de l'Union. De l'Union africaine, bien entendu. Voilà, qui a eu cette rencontre. C'était pour coordonner tout cela. Qu'est-ce qu'on fait avec l'EAC qui est arrivé avant? Qu'est-ce que l'EAC? Parce que les gens de l'EAC se défendent pour dire nous avons quand même permis à ce que les processus de paix fassent un bond en avant parce que les balles ne crépitent plus dans la partie orientale comme c'était avant. Ça, ce sont les raisons qu'ils avancent. Mais pourtant, il y a toujours. Ils sont en train de favoriser. Ils attendent à ce que le gouvernement crée des conditions qui vont permettre à ce que le cantonnement de ces, n'est-ce pas, de ces rebelles ou de ces terroristes du M23 s'efface. Ils disent que c'est le gouvernement qui doit, n'est-ce pas, apprêter des endroits où ces cantonnements-là doivent se faire. Mm-hmm. C'est comme ça que l'EAC se défend et tout ça. Bon, il fallait en fait une sorte de coordination entre la SADC et l'EAC. Et ce qui est aussi plus important, merci, c'est que la République démocratique du Congo a insisté sur le fait qu'elle devait récupérer, cette coordination. La coordination de tout ce qui va se faire là. Elle devait récupérer parce que c'est nous, en fait, qui finançons tout cela. Parce qu'il s'agit en fait de la sécurité dans la partie orientale. Maître Rodrigue Ramazani, sommet, ce énième sommet qui s'est tenu à Luanda, a accouché un communiqué selon lequel on a trouvé quand même un arrangement, une solution apaisée à cette situation de l'Est. Et il est prévu une rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Cependant, il y a une opinion qui estime que c'est une façon d'endormir encore notre pays pour que le Rwanda continue à faire son sale boulot dans l'est du pays. C'est le danger que courent nos compatriotes. La politique a tâtant de l'actuelle gouvernance. Ils tâtonnent tellement trop, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire exactement. Et aujourd'hui, nos compatriotes, malheureusement, sont obligés de vivre dans des conditions pénibles d'insécurité. Ils sont exposés. Vous vous souviendrez que nous avons des compatriotes qui ont fui la guerre, qui sont venus se cantonner au camp Lala, en Ituri, qui ont été décapités, parce que le gouvernement ne prend pas au sérieux la question sécuritaire de nos populations. Mais j'ai écouté mon co-débatteur dire des choses en expliquant la procédure. C'est du basique. Tout étudiant de droit qui nous suit, de jet de droit qui a étudié la procédure pénale, le sait. Mais la grande question, la problématique de droit que j'ai soulevée, c'était des questions de savoir. Nous, on appelle ça le problème de droit. C'est au nom de quelle procédure que l'ANR peut détenir un compatriote plus de 60 jours, notamment Alain Somelonga? Cette question n'a pas été répondue. Donc lui-même, il a reconnu qu'à l'ANR, il y avait des OPJ qui n'avaient que le pouvoir de garde à vue, qui n'est que de 48 heures. À plus de 60 jours, il s'agit de quelle procédure? Et est-ce que sur fond de ça, on peut dire, du point de vue pratique, qu'il s'agit d'un état de droit? Deux, la DENIAP, qui est un service essentiellement qui s'occupe de faits militaires, de problèmes militaires, ou des problèmes en connivence avec les militaires, peut s'interposer. Avec la sûreté de l'État aussi. Hein. Et la sûreté de l'État peut s'interposer dans une affaire de privé, dans une affaire de parcelle privée, interpeller les journalistes pour lui. Il trouve que bon, cette interpellation était normale. C'est un avocat. Après, on se pose des questions de savoir si c'était son client qui était dans cet état. Il serait devant le magistrat lui dire « Oui, monsieur le magistrat, cette interpellation de la DEMIAP contre mes clients journalistes qui sont venus couvrir une activité entre privé, entre civil, est légitime, ça peut se faire. »
Bon, après, à chacun de tirer des conclusions juristes que nous sommes partout où nous sommes. Parlons maintenant Tu as parlé carrément de l'arrestation. Tu n'as même pas, tu n'as même pas parlé de... Laissez-les finir sur sa réflexion. Ça dépend, ça dépend. C'est basique, il n'y a pas de problème. Maître Rodrigue, je vous en prie. Je crois qu'on suive avec les débats. S'il vous plaît. Je crois que l'émission est enregistrée. C'est ce que j'ai dit exactement. La rédiffusion à 23h30. La garde à vue de 60 jours, ça sort à peu près de l'autre côté. On est tous avocats. Mais bon, on va parler des choses, on va parler du sommet. Sommet de Luanda. Non, mais... Les sommets de Luanda, une fois de plus, une confusion étonnante. Lorsque vous suivez le président de la République qui parle de l'EAC, il dit que l'EAC n'a pas produit de résultats. Mais lorsqu'ils partent réévaluer l'EAC, ils accordent encore un mandat à l'EAC. Lorsque je suis le président kenyan qui dit qu'ils ne vont pas quitter la République démocratique du Congo parce que c'est leur région, ils ne vont pas quitter tant que... Le gouvernement congolais ne sera pas en mesure de sécuriser les Congolais et de se doter d'une police et d'une armée. C'est ça la position de l'EAC aujourd'hui. Et quand je vois encore Félix Tshisekedi prêt à aller discuter avec Paul Kagame autour de même question, alors qu'il avait juré de ne plus le faire, tout porte à croire que ce qui nous dirige aujourd'hui, chers amis, chers Congolais, ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. Ils n'ont aucun plan. Ils n'ont aucune solution. Ils ont créé ces problèmes. Mais est-ce qu'au nom de la paix, lorsqu'une résolution sort d'un sommet, y a-t-il pas moyen d'écouter? Parce que la guerre, bien sûr, on sait quand ça commence, mais vous savez, ça les fait dégâts, combien parce de que fois, c'est sur notre sol que ça se fait. Savez-vous combien de fois Paul Kagame s'est rencontré avec Félix Tshisekedi pour discuter de même chose et tirer des conclusions? Mais est-ce qu'on regarde tout ceci, la situation n'a pas évolué? Je dis ceci, lorsqu'on a un plan, lorsqu'on sait ce qu'on veut, on a un plan, on applique son plan. Lorsqu'on n'a pas des plans, on vous amène comme du vent. C'est ce qu'on fait à notre président de la République, parce qu'il n'a aucun plan. Ce sont les autres qui ont un plan pour lui. Parce que s'il avait un plan, il ne serait plus d'accord à se mettre sur une même table avec Kagame, parce qu'ils l'ont fait plus de 5 fois sans résultat. Ce qu'il faut aujourd'hui au Congolais, c'est une vraie politique sécuritaire qui va sécuriser l'ensemble du territoire national. Lorsqu'il dit que notre armée monte en puissance, je suis bien d'accord. On a donné 1 milliard de dollars à l'armée. On a levé la notification préalable. Nous sommes tous contents. Mais pourquoi l'insécurité ne cesse de grandir? Pourquoi la situation... Quand c'est une situation qui a vraiment pris de races, qui a vraiment fait de racines, vous pensez que ça peut être résolu dans si peu? Je vais vous dire que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019. Il a trouvé Bounagana entre les mains de l'administration congolaise. Rutshuru dirigée par les Congolais. Aujourd'hui, Rutshuru est dirigée par les M23, Bounagana aussi. L'administration qui est là, ce n'est pas l'administration congolaise. Donc, le Félix Tshisekedi qui arrive, il aggrave la situation qu'il a trouvée. Simplement parce qu'il est incapable de sécuriser les Congolais. La meilleure des choses à faire, c'est d'organiser une bonne élection. Permettre aux Congolais de lui mettre hors d'état de nuire parce qu'il est devenu un danger pour ce peuple. Encore une fois, des bonnes élections. Freddy Momba, un mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a dit. Vous avez une minute et puis on va... On a encore une minute à mettre Rodrigue pour conclure complètement cette émission. En tout cas, voilà. Finissez. Bon, rapidement. Moi, ce que je peux dire à tous ceux qui nous suivent, à tous les Congolais et prix de paix, c'est que ce pays nous appartient à tous. Il n'y aura personne qui viendra, en fait, développer ce pays à notre place. Il nous revient à nous-mêmes de prendre nos responsabilités à main et d'accorder une certaine crédibilité aux institutions, parce que ce sont nos institutions à nous. Bien entendu, la contradiction n'est pas mauvaise parce qu'elle nous permet de rectifier les tirs et de voir que là où les choses n'ont pas marché, que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a eu des efforts qui ont été faits par l'Union sacrée de la nation, par le président de la République depuis qu'il est au pouvoir. Je pense que c'est ma première fois depuis que je suis né de constater que dans ces pays, il y a des chantiers presque partout. Le pays est en train de se transformer. Au moins, le président Tshisekedi, quand il va quitter le pouvoir, non, c'est important les bilans. Tout ce que nous faisons ici, c'est quoi? Nous avons ces devoirs-là de rendre compte aux populations sur la base, n'est-ce pas, de ce qui a été accompli en fonction de la confiance qui a été accordée, n'est-ce pas, au président de la République. C'était un plaisir. Il faut qu'on dise à la population ce qui a été fait exactement pour que la population encore accorde encore à nouveau
confiance, une autre confiance au président de la République. Merci, maître Frédéric Momba. Le temps du bilan viendra. Donc, on parlera du bilan. Mon punchline, ce que je peux dire, mon punchline, ou bien ma phrase pour conclure, c'est que les populations peuvent compter avec le président de la République. Il a la volonté d'échanger ces pays. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, maître Rodrigue Ramazani, en résumé de tout ce qu'on a dit ici, parce que, bien évidemment, votre co-débatteur l'a reconnu, c'est la République qui reste notre bien commun que nous devons tous chérir. Je reste sur sa dernière phrase. Il a dit beaucoup de choses. Il dit que la volonté... Je crois que depuis le début du mandat du président de la République, Félix Tshisekedi, on parle de sa bonne volonté de bien faire les choses. Mais après des temps, 4 ans de gouvernance, parce que là, il est fait un mandat, la population constate que seule la volonté de faire ne suffit pas. Il faut encore de l'expérience, de la connaissance et une vision. Il n'a ni expérience, ni compétence, ni vision. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de travailler réellement pour ce peuple à travers... Après 4 ans, vous dites qu'il n'a ni expérience. S'il vous plaît, on est en train de conclure. Ça c'est une mauvaise foi. On est en train de conclure. Comment il peut dire de telles choses? Je vous en prie, maître Frédéric. Comment il peut faire de telles déclarations? Maître Audric, que je vous protège. S'il vous plaît, concluez. Qui a l'expérience? Denis César a déjà dirigé ce pays ici. En tout cas, l'émission est terminée. Il a déjà dirigé ce pays. Laissez-le finir, s'il vous plaît. On va continuer dans les couloirs. Maître Audric, c'est vraiment dommage. Concluez. Je ne joue pas à la base cour, heureusement. Donc, le peuple congolais doit savoir que si nous sommes dans cette situation catastrophique, tant sur le plan social, parce que la vie est devenue intenable, que sur le plan sécuritaire, parce que l'insécurité, les Congolais ne l'ont jamais connue ainsi. Même à Kinshasa, les mamans qui se réveillaient avant 4 heures du matin pour aller chercher du pain et vendre, afin de nourrir leur famille, sont incapables. Parce que d'une part, la police fait sa patrouille, et de l'autre part, les Kuluna aussi. Donc, l'incapacité de gouverner le pays, l'ingouvernabilité qui règne aujourd'hui. Le président de la République ne contrôle rien. Rien ne fonctionne comme il faut. L'inflation est galopante. Rien ne marche. Il parle de chantier. De quel chantier? Sur 145 000 km de réseau routier qu'on a, combien de kilomètres ont déjà été construits? Mais ce qu'on remarque, ce sont des voyages à Marbella, de se faire plaisir avec des belles maître chaussures Rodrigue, qui coûtent trop cher. En réalité... Bon, vraiment fini. Je peux comprendre. Bon, conclure. La dernière phrase. Ce que je demande aux Congolais aujourd'hui, c'est de faire confiance à une vision. Et cette vision, l'envol le porte. Cette vision s'appelle la refondation du Congo. Les candidats présidents de la République, Denis Sessanga, qui a l'expérience de plus de 20 ans dans les institutions, peut mener à bien ce projet. Alors, le 20 décembre, les élections. Que le président de la République en est incapable. Nous en dirons plus. Madame, monsieur, c'était un plaisir. Merci à vous d'être venu. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous ce plateau. Merci, mon. La République reste notre bien le plus cher, comme je vous l'ai dit. Demain, ce sera le 30 juin, 63e anniversaire. Si les seigneurs ne rentrent pas ce soir, je vous retrouve demain à 11h pour un autre plateau très spécial avec d'autres invités. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.